Et plop les gens, on se retrouve sur la campagne de The Arbidions après deux missions, une mission de héros, enfin deux épisodes en mission de héros et en horde. On va retrouver le gameplay principal du jeu. On se retrouve du coup sur les technologies, on avait 720 points à dépenser. Je suis pas très convaincu, mais on va partir sur le, faire une auberge. Ça fait un peu plus d'or, c'est un peu comme une banque qu'on peut avoir sans faire autant de recherches. Peut-être qu'il faut la rechercher quand même. De ce que j'ai vu dans le mode de jeu principal, pas la campagne, l'escarmouche, voilà. La zone est vraiment beaucoup plus grande. Et on peut y recruter des mercenaires. J'avoue que j'ai rarement ou jamais recruté de mercenaires, mais je sais qu'une fois j'aurais pu et ça m'aurait sauvé ma game, au moins sur le moment. Et ce qu'on va faire, alors lui, je sais pas trop ce qu'il donne en plus. C'est un bunker, mais un bunker indestructible, très bien, mais genre c'est juste un bâtiment qui ne sera pas détruit, ça veut pas dire qu'on va gagner grâce à lui. Enfin, ça m'a pas l'air de donner des avantages. Enfin, balise d'espoir et de courage pour toute la colonie. Je ne vois pas. Et en plus, il faut du pétrole. Et du coup, en fait, il est derrière les machines avancées. Il faut d'abord avoir les machines avancées pour avoir la plateforme de pétrole. J'ai hésité à partir sur avoir des Tesla, voire peut-être le condensateur de rayon, mais lui aussi, il y a besoin de pétrole. J'ai hésité à prendre les machines avancées, voire les Lucifer ou les fermes. Enfin, machines avancées et Lucifer ou machines avancées et fermes, au choix. Mais je me suis contenté de solidifier, on va dire, les fondations que j'ai actuellement. C'est-à-dire qu'on a les défenses hautes en pierre, les tours en pierre. Et toutes les défenses en pierre ont plus de 20% de vie. Ça évitera de se faire percer les défenses aussi facilement. Les murs seront un peu plus costauds. Et j'ai aussi pris les matériaux isolants, donc les chalets et maisons, donc les tentes avancées, les hébergements avancés, voilà, sont moins énergivores pour malgré le fait qu'on ait l'énergie thermique, mais pour pouvoir débloquer le palais de cristal, qui me paraît intéressant dans... Alors je ne sais pas pour la prochaine mission, parce que apparemment on sera dans les marais, on va lire ça ensemble. Mais quand on était dans les déserts, des fois c'était un peu compliqué d'avoir de la nourriture. Là, on mettra un palais de cristal, un entrepôt en fin de partie, et des fermes tout autour entre les deux. Et on aura plus ou moins de la nourriture à l'infini. La flèche là, elle est intéressante parce que ça a l'air d'être une énorme antenne Tesla. Ça ramène de l'énergie, donc ça pourrait être intéressant, mais plus tard, c'est pas échappe qu'il fallait faire. C'est revenir ici. Là, on voit mission 5, mission 4, enfin, 4, 4, 4 et 4 en mission de héros. On va commencer. Le marais toxique. Ces marécages sont imprégnés d'une odeur nauséabonde qui émane de leurs eaux polluées. Dans cette région, les personnes infectées semblent avoir muté en une forme plus amphibie et leur corps putréfié génère un poison mortel qu'ils peuvent cracher à distance. Vous devez nettoyer ce nid d'infectés, sans quoi il posera un problème pour nos colonies à l'avenir. Détruisez tous les infectés, population de la colonie de 1800, résistez à toutes les hordes d'infectés et détruisez tous les villages maudits. Vous perdrez si vous ne terminez pas la mission en 76 jours ou que la base centrale est détruite ou infectée. Et donc on va commencer.
En bas, qui dit que savez-vous que 80% de votre production de nourriture est à base de feuilles de thé. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais on s'en fiche. Alors, ici ça a l'air d'être du terrain fertile, ici moins. Donc je pense que... On va commencer comme ça. J'arrive pas à en sélectionner que deux sèvres. Ce serait comme ça qu'il faudrait. Voilà. Ça c'est que de la déco. Oula, non. Attendez, là c'est la... Quoi? On a vraiment que ces deux entrées à... Ok. J'ai vu ça, j'ai mis de mes écrans, mais... Cette carte est tellement sombre qu'on va réaugmenter. Pour le moment, au moins. Du coup, vous allez venir ici. On n'a plus d'or. Ok, parfait, ben... C'est parti, hein. On va attendre que le train se ramène. Ça, on va pouvoir tester. Ici, c'est 17. Et ça nous permet d'avoir ce 14 là. C'est quand même très tentant à 17. Le problème, c'est que ça me... Mettre le 14 ici, ça me bloque le 23, ça me bloque le 21. Ça me bloque plein de choses. Ça me bloque pas ici. Ici, je mets ce 23 là. Plus proche, je peux mettre ça, mais c'est que un 19. Ouais, bah tant pis. Ah, oh, le 23 passe en 22. Comment ça? Voilà, on a détruit la moitié de la vie de cette... de cette maison. Voilà, dès que ces deux-là...
Plus de nourriture. Alors, ce qu'il va nous falloir, c'est... La pierre qui est ici nous intéresse plus que le fer qui est là. Et là, on retrouve un indice, du coup, on va mettre le 10 ici. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, on n'a pas de sous. Ouais, l'auberge est déjà débloquée dès le début, donc on peut l'avoir bien plus tôt que le. Bien plus tôt que le. Comment ça s'appelle? La banque. Alors. Au mieux, on fait deux ici. Enfin, au pire, je pense qu'on peut pas faire tout d'un coup tout. Donc, on va partir là-dessus. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, je pense pas en vrai. Ça me paraît un peu plus intelligent de garder. De garder un groupe qui peut attaquer. Alors, pêche. Seize. Ce qui cette case-là ne peut pas être débloquée, donc on se contentera dans 16, celui-ci par exemple. J'ai envie de mettre un mur et tout ici, hein, déjà. Comme ça, on est sûr que tout va bien se passer. Là, on a un peu de fer. Même si on n'a pas besoin tout de suite.
On peut faire l'atelier en bois, punaise. Vu que là c'est toute une terre cultivable, déjà mettre des maisons ici, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cultiver tout là. J'ai envie d'essayer de les bâtiments non essentiels à l'extérieur, quoi. Il était là à 13, 11. Ok, ça c'est bien. Il n'y a vraiment que ça. Punaise. Oh là là, zut. Du coup. Je pense que s'il y a un bâtiment à mettre quand même en sécurité, c'est au moins la caserne. Au moins avoir une caserne safe.
D'énergie. Plus d'énergie. Travailleurs et de l'énergie, et pour ça il faut l'énergie, ouais, donc l'énergie. Et notre avenir, ne l'économisons surtout pas. Plus de nourriture, mais onze, c'est pas ouf, 11 ans. 13, 15. L'avantage du 11, c'est qu'il n'empiète pas sur le 15, qui a peut-être mieux là, avec 16, 17. Ouais, le 17, il est bien. Et le 17, il arrive jusqu'ici. Et du coup, le 13, il empiète dessus. Donc, on va quand même prendre le 11. On a combien? 19. 16. 15, et je sais pas combien. Donc, 19. Bah là on prend 6 pour avoir tout. Bah, on va chercher à mettre de l'énergie ici pour avoir du... Pour pouvoir avoir de la pêche. Et ça, c'est un zombie normal. C'est même 2-3 zombies normaux là-bas. Je vais dire c'est safe, mais en fait non, eux ils ont failli. Ils ont failli faire des enfants zombies. Une nourriture, plus d'or. Ça c'est compréhensible. Je peux pas encore débloquer, enfin. Le truc c'est faut savoir le laquelle est la focus.
Ok. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut de la nourriture. Et la nourriture, ici on sait pas combien on peut avoir, ici on a 18. J'ai envie d'en mettre une antenne ici, comme ça on saura la prochaine fois si le 18 est suffisant ou pas. Après, peu de chance que ça vaille le coup. Et l'énergie, on en a pas mal. Un entrepôt. Voilà. Ok, j'en ai presque assez pour... ce soit intéressant. L'atelier de bois. Atelier de bois. Nous voilà. Juste pas, hein. Juste pas assez. Oui, l'atelier de bois, c'est ça qui va nous faire avoir le marché. L'auberge, c'est mort pour le moment. Oui. Ça, ça et ça comme ronde. Et vous, vous allez me détruire cette maison du chaos. Il nous faut plus de travailleurs, donc plus de tentes. Toi, on a besoin de ferme. On a expressément et immédiatement besoin de ferme. Donc j'éteins mon écran au lieu de juste changer la luminosité.
travailleurs, mais pour save plus de nourriture. Un petit peu dans une impasse pour le moment, on va. Ouais, je dirais qu'il y en manque deux ou trois, peut-être un peu plus. Ou alors il en fout le double, tout simplement. Voilà. La recherche est finie, donc on va faire le marché. On a pile poil assez de gens maintenant. Et on va chercher les meilleurs spots. 14, c'est pas mal, mais. Mais malheureusement. Attendez, un, du coup c'est là, du coup c'est là. Et là. 70 et 74. C'est 65, 62, 65. J'aurais mis 1565 du coup ici le 77 et puis on verra ici plus tard. J'ai besoin de bois. Ok, bon. On va attendre au moins la prochaine et si je mets la maison là, ça bloque totalement. Donc si jamais après je veux mettre une comment ça s'appelle? Une caserne là-bas, ça marchera plus. Ici, on n'a pas mis le. On a eu 18, 20. Quand même un 29. Hein. Je pense que le 29, il vaut le coup de mettre une tour ici. Une tour Tesla. Si on fait de l'énergie, on en a un peu trop, hein, mais on en a suffisamment pour le moment. Mais on n'est jamais, on n'a jamais vraiment trop d'énergie. Alors, donc on est maxé en ressources parce que on ne dépense pas assez.
Problème, c'est qu'on a déjà trop de pierres. La pierre, c'est censé être compliqué à avoir, donc on va... On va en profiter. Ouais, là, il y en a assez. À peu près. Pour que qu'elle puisse avoir le temps de recharger avant que le crasher il... Il y en a plus ou moins assez pour que qu'elle puisse se défendre ou... contre un crasher. Vous prenez ça et vous allez vous mettre là. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas étendu, c'est pas bien. On a un peu de tout. Là, ce qu'on veut, c'est poser un marché. Acheter des chalets peut-être. On arrive à 2-3 jours de la horde. Je pense qu'on va prendre les plus pieux plutôt. Tant qu'on les attire un par un et qu'elles sont à peu près synchronisées, il a pas le temps de tirer. Mais c'est quand même pas mal de contraintes. Ça commence. Ouais, faut pas. Là, par contre, faut pas s'étaler. Ça, c'est une contrainte qui est non négociable. Poil là où il y a, j'ai mis le et tu dégages. Du bois, de la pierre, ok, et des travailleurs, et on a combien max? On a 120, donc on peut faire une auberge si on a les sous, ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'ai vu que au nord, c'est juste un zombie normal, ok.
Okay. Are you sure? Yeah. Roger that. The train has arrived at the station. My bow and arrows are ready. Yeah. Units under attack. You call that a plan? Attention. Yes. What do you Building want, completed. Are you sure? On va dépenser notre bois aussi. Super. Alors peut-être pas juste devant la porte, ça. On a plus de travailleurs, donc c'est... Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté des maisons tant que je pouvais. Maintenant, il va falloir les level up dès que la recherche du chalet sera faite. Et lui, peut-être pas tout de suite, mais me permet de commencer à consommer la pierre. Alors du sud. Le sud, c'est censé être soit là, soit là. Je savais que ça allait arriver, mais j'aurais dû mettre les antennes plus tôt. Ouais, ça ressemble à arriver ici. J'ai plus d'or.
J'ai plus que des sous. J'ai tout sauf des sous. D'accord, par contre j'étais pas au courant que ça allait être... Oh merde la horde. La slow horde de la mort. Oui. Ah non, c'est mort. Oh putain. Du coup... Mince, j'aurais dû cliquer dessus. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que il vaut mieux... Alors, on a plein de textes de réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de rush les snipers en espérant... fasse un tir à mort mais en n'en ayant pas la certitude, est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse du ticket zone en prenant des ingénieurs, mais est-ce que j'avais vraiment le temps? Et les ressources, parce que le temps, je pense que j'aurais pu l'avoir en le rushant vraiment. Est-ce que j'aurais vraiment eu les ressources pour aller jusqu'au centre d'ingénieur, sachant qu'il faut 20 pétrole rien que pour le construire, puis il faut du pétrole pour faire les lucifères, je crois. Du coup, c'est vite cher en pétrole, et le pétrole, le seul que j'ai vu, c'était sur la presqu'île à l'extérieur. J'aurais dû mettre en pause pour réfléchir pendant le jeu. Est-ce que... Donc ça, je pense que c'est... pas une mauvaise idée pour plus tard, parce que de toute façon, les lucifères, ils tankent bien.
Voilà, 15 de pétrole. Il faut 20 de pétrole pour le centre d'ingénierie, puis 15 de pétrole par Lucifer. Ouais, je pense que quand le Lucifer tire, les autres ils sont à portée de vomir. Du coup, le Lucifer il aurait pu peut-être tanker, mais il aurait surtout subi les dégâts. Il aurait surtout subi quelques dégâts. Après, j'aurais pu. Si j'aurais dû mettre les Tesla et là où je voulais défendre, là où il y avait les deux Rangers qui faisaient des allers-retours, j'aurais dû mettre un mur à cet endroit-là. Les pieux, je suis pas sûr que ce soit forcément très utile du coup, mais juste un mur, même en bois, avec derrière 2-3 balistes. Et là, je pense qu'on était bien. Les fils barbelés sont d'ailleurs l'amélioration des pieux, mais fait en fer du coup. Ils sont vachement plus avancés. Je pense que chercher le côté machinerie, c'est trop. La première horde est trop rapide pour se dire que ça c'est. Que c'est faisable. C'est bien, mais pour au moins la deuxième vague, si vraiment on a envie de la rusher. Du coup, ça me laisse à. J'aurais dû essayer de faire. Alors, pas faire que des Rangers. Quelques-unes. Les quelques de départ, elles sont bien. Et potentiellement juste. Faire des soldiers, des rangers quand je peux pas faire de soldiers, mais seulement des soldiers pour qu'ils tirent plus fort, qu'ils tankent un peu mieux. Et les rangers qui restent dans mon armée, elles sont là pour essayer de faire des zigzags, attirer l'attention, tout ça, pendant que les soldats ils défoncent. Et voire même des snipers dès que possible. En espérant qu'il fasse un tir à mort, mais c'est pas gagné. Et vu non mais vu leur vu le nombre de vomito là, les snipers, je suis pas sûr. Hein. Non, il fallait des murs et des balistes et. Des murs, des balistes et. Et peut-être plutôt des soldiers que des rangers. Au moins un mix un peu équilibré. Bon. On va peut-être partir sur cette idée-là. En tout cas, ça sera tout pour cet épisode. Ouais, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.